Salut les amis, ce soir pour cette vidéo nous nous trouvons au col de Banquette, donc je suis en compagnie d'Anthony et on va faire une petite soirée bivouac. On a décidé de poser la tente sur le bunker. Allez, c'est parti, on y va. Donc là on est sur une des pièces du bunker. Nous on va aller côté, du côté de la tourelle. Tiens, il y a du passage ici. Je pense qu'on va se poser par là. La surface est bien plate, c'est impeccable. Bon bien voilà, la tente est montée. Du coup, nous on va faire une petite balade dans les alentours et ensuite on va aller casser la croûte. Au table. Bon bien les amis, on va se piloter. Anthony, je crois qu'il a déjà rejoint Morphée. Bon, je vais faire de même. J'espère que on sera pas trop dérangé parce qu'il y a plein de bruits chelous autour. Il y a beaucoup de renards. Il va y avoir quelques écureuils ou des oiseaux puisqu'on entend bouger dans les branchages. Bon, je vous dis à demain matin les amis. Tchuss, bonne nuit. C'est peut-être un renard. Ah, je vais voir là, ça se rentre. Ça rentre aussi. Je pense que si, ça m'en dingue. Non, c'est quelqu'un qui s'est connu en fait. Putain, mais ça rase. Chia. Oh, mais sans déconner, putain de merde, mais quel pied. Mais c'est rage, c'est ça, putain, on a laissé une lampe dehors, sans déconner. Donc c'est vraiment une bestiole, c'était un renard là. Oui, j'ai renard. Parce que j'ai vu l'ombre là depuis tout à l'heure, mais je vois l'éclairage, c'est ça. Et quand je voyais l'ombre au final, c'est que la bestiole est passée devant. Bon les amis, pour vous expliquer grosso modo ce qui vient de se passer, ça fait un petit moment que j'entends des bruits. Et des bruits tout proches. Et par moments je voyais de l'éclairage, donc j'étais persuadé qu'il y avait des personnes autour. Je pensais qu'ils avaient mis la lampe un peu plus loin pour éviter de nous réveiller. Et qu'ils s'approchaient de la tente puisqu'on a laissé un sac dehors.
Et au final, il s'est avéré que j'avais oublié ma lampe. J'ai laissé la lampe, donc elle s'allumait toute la soirée dehors. Au final, les ombres qu'on voyait, donc apparemment c'était un renard. Bon, moi j'ai rien vu, j'ai juste eu des ombrages devant la tente. Et au final, le renard, à chaque fois qu'il passait devant la lampe, ça me faisait ses ombrages. Voilà, donc moi dans ma tête, je m'étais fait des films. Je suis sorti gazeuse en main, je pensais que trouver quelqu'un. Voilà, donc du coup, je suis rassuré. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une GoPro à l'extérieur, avec l'éclairage, bien sûr. Pour pouvoir voir si le renard revient ou si d'autres animaux passent devant quoi. Bon, bien les amis, il est 5h30. Je suis sorti pour faire un petit peu le tour et la petite poubelle qu'on avait à l'intérieur du gros sac a été sortie et éventrée tout autour de la tente. J'espère juste que la GoPro a pris quelques images. Donc apparemment, il y a eu une forte activité tout autour. Eh bien les amis, c'est sur ce paysage magnifique que cette courte vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour nous donner un petit coup de pouce. Likez, partagez un max. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Tchou tchou les amis.